Février 2020, nous posons le pied pour la sixième fois sur la terre birmane. Ce pays spectaculaire, bordé par l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande, qui occupe une position géographique et culturelle originale en Asie du Sud-Est, vous fascine, vous capte et vous aimante une fois que vous l'avez découvert. Un pays de collines, de plateaux, de lacs immenses, de sommets pré-himalayens au nord, jusqu'aux plaines côtières de la mer d'Andaman, et une mosaïque ethnique unique dans cette partie du monde, avec plus de 120 minorités recensées à ce jour. Cette fois-ci, notre périple sera un triptyque horizontal, comprenant le Grand Lac Inlay, le royaume de Bagan et enfin Mindat, cœur de l'État Chine. Le lac Inlay, enchâssé au cœur de l'État Shan à 900 mètres d'altitude, s'étend sur 150 km². Il fait quasiment 20 km du nord au sud et près de 10 km d'est en ouest. Les nombreux marchés, lieux de commerce bien sûr, mais aussi d'échanges et de rencontres entre différentes ethnies, se tiennent tout autour du lac selon une rotation de 5 jours et sont parfois très éloignés, ce qui implique d'embarquer très tôt le matin pour en apprécier toute l'effervescence. Dès la fin du chenal, nous entrons en région Inta, peuple lacustre qui vit de pêche, de culture maraîchère et pratique un style d'aviron unique au monde dans cette zone marécageuse difficilement navigable. Elle consiste à louvoyer à la poupe de la barque, debout sur une jambe, en roulant la seconde autour de la rame pour godiller. Les nasses coniques servent à emprisonner le poisson avant de le harponner. Mais ceux-là, comme beaucoup d'autres à présent, font surtout de la figuration auprès de touristes avides de clichés, afin de grappiller quelques kyats qui leur rapportent davantage que la vente de leurs prises. Nous traversons plusieurs villages sur pilotis pour rejoindre les villages de Faudao et Nampan, respectivement sur les rives est et sud-est du lac. La meilleure des immersions consiste à se perdre au cœur d'un marché, où que ce soit dans le monde. Ici, c'est souvent l'occasion d'un brassage ethnique, car les différentes tribus vivant dans les environs s'y rendent pour vendre leur production et acheter les poissons du lac ou les légumes en provenance des jardins flottants. Nous sommes sur le territoire de la minorité Pao, ce sont eux que nous verrons en grande majorité. Les Pao, aussi appelés Karen noirs car assimilés au peuple Karen, sont reconnaissables à leur tenue noire ou bleu marine. La vêtue traditionnelle du Pao consiste en un turban, une chemise blanche, une veste noire ou bleu marine et un long pantalon noir pour les hommes. Celle des femmes se compose de 5 pièces, une blouse, une veste, un longhi qui couvre les genoux, un turban et deux grandes épingles à cheveux de forme conique. Mais le monde moderne les a également rattrapées et de plus en plus perdent cette identité vestimentaire au profit d'habits occidentaux. À l'instar de tous les marchés qui se succèdent autour du lac, on trouve ici l'essentiel des denrées de base. Des légumes, fruits, œufs, épices, des poissons et viandes de diverses origines, des ustensiles de cuisine de toutes sortes avec du plastique, beaucoup de plastique, des paniers et tapis de bambou tressés, des fleurs, de l'artisanat local de bois, de lac, bagues et autres colliers de laiton ou d'argent. Mais on peut aussi se faire raser, coiffer, y prendre un thé ou un café accompagné de beignets, voire d'une soupe de nouilles, ou encore manger sur le pouce des brochettes de pâtes de poulet grillées à la braise. Le tissage du lotus est une des trois grandes industries Inta, si on excepte la culture des tomates. On trouve donc de gigantesques champs flottants et de nombreuses fabriques sur le lac. C'est un travail extrêmement long, fastidieux et exclusivement féminin.
Après avoir récolté les tiges de lotus, il faut couper les tiges très délicatement pour en extirper les fils à l'intérieur, puis les rouler avec les doigts et recommencer encore et encore, jusqu'à obtenir un fil de plusieurs mètres. 2 mois et 12 plantes sont nécessaires pour réaliser une petite écharpe en lotus, alors que 2 jours suffisent pour une écharpe en soie. Mais c'est aussi bien plus résistant. Tout est fait sur place, de la constitution du fil de lotus à la fabrication des vêtements. Essentiellement écharpes et longuis sur d'antiques rouets et métiers à tisser qui s'alignent en enfilade dans de grands locaux ouverts de tous côtés. Les femmes sont habiles, rapides et concentrées. Elles manient l'appareillage avec aisance et vélocité. Les couleurs chamarrées se côtoient de machine en machine ou tendues sur des étals pour embobinage dans le chatoiement du soleil, créant une ambiance très particulière dans cet univers studieux de claquement du bois, de frottement du râteau sur le tissu, sur fond sourd des moteurs de bateaux qui accostent et repartent du ponton. Seconde industrie du lac Inlet, la création de bijoux en argent, toujours manuels, et cette fois dévolue aux hommes, fonte, taille, ponçage, et jusqu'à l'incrustation et l'assemblage. On ne peut décemment venir à Inlet sans tester les fameux chirots, cigares birmans, troisième industrie du peuple Inta. Là aussi, les femmes sont à la manœuvre. Réalisées à partir de tabac local, auquel sont ajoutées parfois des épices comme l'anis, la menthe, la fibre de banane ou même du miel, ils sont enroulés à la main dans des feuilles de thé et collés avec de la glu. Chacune des femmes en fabrique près de 500 par jour. On trouve plus de 3200 hectares de parcelles flottantes sur le lac. Ce sont des masses de jacinthes d'eau emmêlées sur une épaisseur de plus d'un mètre, formées au fil du temps. Sur ce tapis de végétation naturelle à la surface de l'eau, les jardiniers Inta disposent limons et débris organiques pour créer des planches de culture dans lesquelles ils enfouissent les graines ou repiquent les plants. Afin d'éviter que les jardins flottants ne dérivent, de grands piquets de bambous sont plantés dans le sol de part et d'autre des bandes de végétation. Les potagers flottants couvrent aujourd'hui le quart de la superficie du lac. Y sont cultivés fleurs, légumes à gousses, courges ou concombres, mais c'est surtout la tomate qui fait vivre les maraîchers, car sa production ici est le deuxième plus important de toute la Birmanie. C'est une étrange géométrie, un spectacle unique et envoûtant qui confine au sublime lorsque le soleil descend vers les montagnes en fin d'après-midi.
monastère de Nga Fechong bénéficie d'une position privilégiée au milieu des jardins flottants, immense bâtiment de vieux teck qui présente une collection exceptionnelle de bouddhas et de statues disposées sur des trônes ou des coffres richement décorés, au milieu de nombreuses colonnes. Incroyable stupa et ses deux pagodes anciennes, Niang Oak et Shui Intein, il faut rejoindre la pointe sud-ouest du lac et naviguer plus de 8 km en barque sur d'étroits canaux aux eaux parfois tumultueuses. À quelques centaines de mètres du débarcadère apparaît le site de Niang Oak, qui veut dire groupe de banyans. La plupart des pagodes n'ont pas été restaurées. Elles sont souvent dans un état précaire, à demi effondrées ou enserrées dans la végétation, mais certaines sont encore remarquablement préservées. Le ti, élément supérieur en forme de parapluie ornemental, manque à la plupart des stupas. Quand on déambule dans ce lieu, pieds nus, on est fasciné par le charme et l'atmosphère paisible qui s'en dégage, dans la lumière orangée baignant les lieux. Au détour du sentier, on découvre, dans les renfoncements, des bouddhas cachés et sur les façades et frontons fondus, des sculptures d'êtres célestes et d'animaux mythologiques. On dénombre plus de 1000 stupas sur l'ensemble du site, qui daterait du 3e siècle avant Jésus-Christ. Une longue brassée de marches, sous un passage couvert bordé de vendeurs et de marchands du temple, mène au deuxième groupe de pagodes, nommé Shui Intein, situé au sommet d'une colline. On y trouve le sanctuaire construit par le roi Ashoka, qui abrite une image de Bouddha en or dans le mudra de méditation. Shuiyan Piai, sans doute le plus beau monastère de Birmanie, à quelques encablures du village de Niang Shui, sur la route de Heo, est un superbe édifice de teck aux fenêtres ovales sur pilotis et probablement l'un des clichés les plus réputés du Myanmar. La salle d'ordination, lumineuse, richement décorée et au parquet rutilant, incite au silence et à la méditation. Dans le temple qui le jouxte, le promenoir est percé d'une multitude de niches dans lesquelles trônent des bouddhas recouverts d'une étoffe rouge et dorée, en hommage aux nombreux donateurs, dont les noms sont mentionnés sous les statues. Au-dessus des alcôves, de belles fresques un peu défraîchies racontent la vie de Bouddha. Pour notre dernière journée ici, nous décidons d'emprunter la route qui borde le flanc est du lac afin de découvrir, en scooter, un autre point de vue de la campagne birmane. On se laisse submerger par la quiétude et la splendeur de ce joyau limpide, cerné de montagnes, rayé de jardins verdoyants et de villages lacustres aux maisons colorées.
Kaku. Il faut un peu plus de 2 heures de voiture depuis le lac Inle pour rejoindre l'un des plus beaux joyaux cachés du Myanmar, dont la visite nécessitait encore il y a une dizaine d'années un laissez-passer des autorités et la présence d'un guide d'État. 2478 stupas disposés en rangées ordonnées sur 1 km² de coteaux, au sud-ouest de l'État Shan. Les plus anciennes datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Le site aurait été édifié sous l'égide de l'empereur indien Ashoka, puis étendu par le roi Alongshitu au 12e siècle quand il régnait sur Bagan. Les derniers stupas ont été ajoutés au 17 et 18e siècle. Kaku est un site de dévotion religieuse pour le peuple Pao du Myanmar. Le site a été largement restauré, mais a subi au cours des dernières années de graves dommages, conséquence de conditions météorologiques extrêmes et des tremblements de terre. C'est un lieu de recueillement majeur du peuple Pao et le cœur de leur territoire, avec la ville de Tonggi 45 km plus au nord. Très croyants, les Pao, ils sont environ 550 000, vivent essentiellement de l'agriculture de la moutarde et du cordia, arbre au bois blanc solide et très pur qui produit des fruits jaunes, juteux, frais et acidulés. Ce complexe religieux est également le centre d'une grande fête des récoltes, célébrée chaque année en mars par les Pao qui se rassemblent pour marquer la réussite des moissons, prier, communiquer ensemble, mais aussi vendre le produit de leur labeur et offrir une partie de leurs revenus à la pagode afin d'y gagner des mérites. Nous quittons le pays Pao pour rejoindre Loiko, capitale de l'État Kaya, territoire peu connu car fermé aux visiteurs jusqu'en 2012. Avant d'attaquer la route sinueuse des montagnes, nous faisons un stop au monastère qui surplombe le village de Demozo, composé des pagodes Tokietong et Shwekietong, que l'on appelle aussi Silver Pagodas à cause de la teinte argentée de leur stupa. La vue depuis le sommet de la colline y est somptueuse. Le village de Panpet, en territoire Kaya, est notre première escale de la journée. Nous sommes accompagnés d'une guide parlant le dialecte local indispensable pour échanger. Celle-ci nous a obtenu un permis spécial pour nous rendre dans cette région. Les peuples principaux qui y vivent, près de 300 000, sont souvent regroupés sous l'appellation Kareni, c'est-à-dire Karen Rouge. On y retrouve les principales minorités suivantes, Kayan, Kaya et Kayo. Panpet est un village Kayan, dont les femmes, qu'on appelle aussi Padong, ce qui veut dire long cou en birman, sont injustement surnommées femmes girafes, une confusion avec plusieurs ethnies africaines. On dénombre 60 000 Kayan, dont la plupart sont devenus chrétiens sous l'influence des missionnaires évangélistes. Nous sommes invités dans la grande demeure de l'une d'entre elles. La femme qui nous reçoit vit toute seule au milieu de ces grandes pièces quasiment vides, ses enfants étant partis et son mari décédé. Bien sûr, dès le début de notre entretien, nous lui demandons la signification de ce collier si caractéristique en cuivre ou laiton que la génération des grands-mères et des mères arbore toujours fièrement, ainsi que quelques jeunes encore, pour perpétuer la tradition. Les filles commencent de le porter vers l'âge de 7 ans, nous dit-elle. Elles ont leur collier presque définitif autour des 15 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des anneaux séparés empilés les uns sur les autres, mais une spirale que l'on change pour une plus grande au fur et à mesure qu'on grandit, qui peut comprendre jusqu'à 25 cercles et peser plus de 5 kilos. Beaucoup de choses fausses ont été dites à propos des raisons pour lesquelles les femmes Kayan arborent ce collier. Ce n'est ni pour les enlaidir afin de les protéger d'un enlèvement par une tribu ennemie, ni pour ressembler au dieu dragon, figure mythique du folklore Kayan, et encore moins pour parer à des attaques de tigres dont on sait qu'ils mordent leurs victimes au cou. Le port du collier, comme le reste de leurs ornements, est un critère de beauté, un signe de préservation de leur culture et une forme de liberté, car elles portent sur elles, avec les autres bracelets de jambes et bras,
leurs biens les plus précieux et peuvent donc se rendre où elles veulent sans risque d'être volées dans leur maison. Et pour rompre avec la dernière fausse croyance, ces spirales n'affectent pas les vertèbres du cou, mais pèsent sur la clavicule. C'est la cage thoracique qui s'affaisse, faisant tomber peu à peu le collier sur les épaules. Quand l'espace entre le collier et le haut du cou est devenu important, il est remplacé par une spirale plus longue. Si cette dernière est retirée, les muscles remontent lentement pour retrouver leur position normale. Notre hôte nous offre l'alcool de millet fermenté dans un pot en terre que nous aspirons prudemment avec une paille de bambou. Si, it's yours. La cuisine, au plafond de laquelle sèchent des épis de maïs, est elle aussi presque vide, à l'exception de quelques gamelles, bidons et de l'espace destiné au feu. Notre guide traductrice donne un coup de main à la vieille femme pour le triage traditionnel du riz. Dans une autre maison où nous sommes invités à entrer, la femme Kayan vit presque recluse dans un espace minuscule de moins de 10 mètres carrés, incluant son lit et l'âtre pour cuisiner dans un renfoncement du plancher. Nous évoquons le quotidien difficile et la nourriture constituée essentiellement de riz, beaucoup cultivée ici, les légumes et les poulets blancs. Nous parlons aussi de la famille, valeur majeure de ce peuple, qui peut comprendre jusqu'à 15 enfants, le tout entrecoupé de plusieurs lampées d'alcool de millet et de morceaux de racines bouillies. 5 to 6 is the bigger family. For them before, the bigger family is 40, 50, 70. Plus loin encore, dans un second village, une autre femme Kayan nous prépare un thé local. Sur un métier à tisser des plus primaires, elle fabrique des écharpes en coton qu'elle monnaie habituellement sur le marché. Elle sculpte également de petits personnages en bois représentant la minorité Kayan, vendus aux touristes de passage, ainsi que quelques bagues et bracelets en cuivre. Aux confins d'un dernier groupe de masures, nous allons à la rencontre d'une autre femme qui fabrique du fil à l'aide d'un rouet. Dans l'après-midi, plus loin, nous rencontrons des Kayas.
Ils sont le peuple le plus important de l'État Kaya, près de 100 000, auxquels ils ont donné leur nom. Leur vêtue est très différente des Kayanes, avec trois couleurs dominantes, rouge, noir et blanc. Les femmes Kaya ont été stupidement surnommées « femmes éléphants » à cause des très volumineuses fibres végétales dont elles entourent leurs genoux. Nous passons quelques temps dans la maison d'un couple de musiciens. Ils nous jouent à deux une mélodie de leur composition sur des bambous guitares. S'ensuit une chanson chantée par le mari, qui s'accompagne d'une sorte de mandoline, dont le texte raconte leur joie de recevoir des visiteurs et de leur faire connaître leur culture. Est paisible, presque désert. La quasi-totalité des hommes et des jeunes sont au champ. Une autre femme Kaya file du coton à l'ombre sous les pilotis de sa maison. Une autre encore sépare le grain de l'écorce du riz dans un pilon traditionnel réalisé à partir de la base d'un tronc d'arbre. Le jour suivant, nous nous enfonçons dans les montagnes en 4x4 pour aller au contact des Kayo, la plus petite minorité, 25 000 seulement. On ne peut les rencontrer que depuis 2 ans, car précédemment, leur région n'était pas accessible aux étrangers. Le village de Teko est perché à flanc de colline à plus de 2 heures de Loïko et loin de tout. La population y vit, par force, en quasi-autarcie. Dénuement et isolement sont le quotidien des Kayo. La vêtue des femmes est également très différente de celle des Kayanes et des Kaya. Un haut rose, une jupe noire, d'immenses boucles d'oreilles garnies de perles de couleur, un collier de coquillages, bracelets et bagues en laiton et des spirales genouillères en cuivre d'une quinzaine de cercles. Des sourires, de la bienveillance, mais aussi une certaine indifférence. Une femme trie le riz à l'aide d'un énorme pilon actionné au pied. La tâche semble ardue et épuisante. Elle s'en acquitte néanmoins avec bonne humeur. À la sortie du village, les femmes lavent le linge et les enfants se douchent sous une longue conduite bricolée avec du bambou.
fin d'après-midi, nous prenons la route en direction de Pekon, petite bourgade posée au bord du lac Sankar. Aujourd'hui, c'est jour de grand marché dans la cité, et il grouille de monde. De nombreux paos sont venus vendre leurs productions. Quelques beaux étals de boucherie, un grand nombre de poissons de toute taille, le lac en abonde, mais aussi du rat grillé et autres spécialités locales. La nuit est encore là. Nous avons prévu de remonter les deux grands lacs, Sankar et Inle, jusqu'à Niang Shui. On embarque des potrons minés dans un long canot à moteur. Un rougeoiement matinal souligne les montagnes de l'Est. Il fait un froid de gueux au ras de l'eau. La lumière s'élève peu à peu, les couleurs pastel se réchauffent lentement. C'est un moment sublime et enchanteur. Après plus d'une heure et demie de canotage, nous atteignons la pointe nord-est du lac Sankar, où se tient le marché ouvert de Sagar. Nous en profitons pour prendre un solide petit déjeuner. Quel pied ! Là aussi, on peut se nourrir de frits, de pâtes de poulet épicées et grillées, ou de beaucoup d'autres aliments auxquels nous sommes nettement moins habitués. La minorité Pao est particulièrement présente à Sagar Village. Les stupas et pagodes du village de Tariarkon se dressent à quelques jets de pierre de Sagar. À la fin de la mousson, les monuments en bordure du lac sont inondés et les deux bourgades ne peuvent se rejoindre que grâce à une embarcation. Il nous faudra 3 heures de plus pour remonter le lac Inle depuis sa base, au sein d'un paysage somptueux.
Début de deuxième semaine. Un vol saut de puce d'une grosse demi-heure pour atteindre le royaume de Bagan. Il n'est pas envisageable de voyager en Birmanie sans se rendre sur ce site archéologique bouddhique situé dans la région de Mandalay. Même si le voyageur a pu rapidement constater l'impressionnante dévotion religieuse du peuple du Myanmar, rien ne prépare vraiment le visiteur non averti à la surabondance, la débauche de monuments à Bagan. Où que porte le regard, ce ne sont que temples, stupas, monastères et pagodes. Cette ancienne cité que l'on nommait alors Bagan, nichée sur une courbe du fleuve Irrawaddy, abrite encore, malgré de nombreuses destructions, plus de 2200 temples et stupas disséminés dans une plaine de près de 50 km². Elle fut la capitale d'un royaume puissant entre le 9e et 13e siècle. Les différents rois qui s'y succédèrent firent bâtir plus de 10 000 monuments, mais 80% d'entre eux ont aujourd'hui disparu, peu à peu tombés en ruines, en particulier bâtiments en bois comme les palais et maisons en torchis, ou détruits par les nombreuses secousses sismiques dont la région est coutumière. Située à l'orée du village de Nyango, la pagode Shwezigon est en fait un grand stupa en forme de cloche reposant sur trois terrasses de briques décorées avec moult plaques en terre cuite ornées des scènes des Jataka, vie antérieure de Bouddha, qui a servi de modèle à beaucoup d'autres, et assurément une des plus belles pagodes de Birmanie. Elle a été édifiée au XIe siècle par le roi Anawatra pour abriter une dent et un os de la mâchoire de Bouddha, mais semble encore presque neuve et rutilante de tous ses ors. En déambulant sur les dalles de marbre qui bordent la pagode, on découvre des salles de prière et de repos aux couleurs bleues ou jaunes, aux toits richement ouvragés, de nombreux petits temples et pagodons, ainsi que sur le flanc sud-est, les effigies des 37 grands nattes, esprits vénérés au Myanmar tels que divinités des eaux, des arbres, du foyer, disposés de manière à rendre hommage aux stupas. Prenons le temps de nous poser au bord du fleuve Irrawaddy, au coucher du soleil. La pagode Tadbiniou, plus haute structure du site, avec une hauteur de 65 mètres, présente des caractères très spécifiques. Elle est bâtie sur une plateforme de 20 mètres, sans pilier central, et dispose d'une chambre voûtée au premier étage, où l'on peut voir une grande statue du Bouddha assis. Trois faux étages conduisent au Sikara, tour sanctuaire, qui est presque cubique. L'ensemble est recouvert de stuc et blanchi à la chaux. La plateforme servait de monastère. En d'autres temps, les moines vivaient dans les couloirs et les pièces ménagées sur deux niveaux à sa périphérie. 10 000 briques ont été utilisées pour construire le temple principal. Le temple Mahabodhi a été originalement construit au XIIIe siècle, puis réparé plus tard après le grave tremblement de terre de 1975. Il est une réplique du temple Mahabodhi à Bodh Gaya en Inde, donc très différent d'autres monuments à Bagan. Il contient une tour pyramidale placée sur une base carrée, remplie, très ornementée. En outre, il y a plus de 450 images de Bouddha enserrées dans d'innombrables niches sur les quatre côtés de la tour et les deux étages de base. Le temple d'Ananda, c'est l'un des plus imposants de la plaine. Impossible de le rater avec son stupa en or de 55 mètres et ses 1000 fenêtres. D'architecture indienne, il abrite 4 bouddhas de 10 mètres de haut qui font face à l'un des 4 points cardinaux et 1500 autres représentations de celui-ci de dimensions plus modestes. 80 fresques y décrivent les premières étapes de la vie de Bouddha, de sa naissance au moment où il est entré dans les Lumières. À l'instar de nombreux autres temples, les dévots y entrent quotidiennement pour coller de fines feuilles d'or sur les statues de leur choix.
Même les bonzes viennent immortaliser leur passage en prenant des photos. Le temple Tilomilo est une grande structure majestueuse qui culmine à 46 mètres de haut, avec deux étages de briques couvertes de stucs élaborés, représentations d'ogresses et d'animaux mythologiques. Sa conception est similaire à celle du Sulamani, qui a été construit environ 3 décennies plus tôt. Et on doit son nom à son constructeur, le roi Tilomilo. Là aussi, 4 Bouddhas s'adossent à son pilier central. Chaque côté du temple carré a un porche d'entrée qui sont tous richement décorés. Les murs des entrées menant au sanctuaire intérieur contiennent des recoins voûtés dans lesquels de petites images de Bouddha sont enchâssées. Lorsqu'on y déambule, on est impressionné par les magnifiques peintures murales et les fresques de représentations bouddhistes de différentes couleurs, même si beaucoup d'entre elles s'effacent inexorablement. La construction du temple d'Amayangi a débuté au milieu du XIIe siècle. On la doit au roi Naratu, qui aurait souhaité, dit-on, ériger ce temple pour expier ses péchés. Pour accéder au trône, il avait en effet choisi d'assassiner son père et son frère aîné. Si la construction n'a jamais été achevée, c'est que Naratu a lui-même été assassiné après seulement 3 années de règne. Le temple d'Amayangi a été bâti sur le modèle du temple d'Ananda, mais il est plus massif. Le Dhammayantika est un grand stupa de briques à l'est de Bagan. Bien que le corps du stupa lui-même soit comparable à celui de la pagode Shwesigon, sa base est édifiée sur 3 terrasses pentagonales décorées de panneaux de terre cuite illustrant différentes périodes de la vie de Bouddha, auxquelles sont jouxtés 5 petits temples surmontés de Sikara, tours sanctuaires de style indien. Le meilleur moyen de se déplacer dans la plaine de Bagan est indéniablement le scooter électrique. Circuler sur les chemins sableux qui sinuent entre les stupas désertés à la tombée du jour est un moment qu'on ne peut oublier. Le temple Manhua, dans le village de Minkaba, est une longue structure rectangulaire en briques abritant 3 statues de Bouddha assis et 1 de Bouddha couché d'une longueur de 18 mètres. Ce petit temple, à l'entrée de New Bagan, qui n'a pas de nom, mais porte le numéro 1045, est original et surprenant. Un peintre local a en effet décidé d'y reproduire les fresques telles qu'elles devaient être à l'époque de son édification. C'est un moyen unique de se rendre compte du faste et de la richesse de l'art birman de l'époque, en imaginant l'ensemble des autres temples décorés de la sorte. Le lever de soleil à Bagan et les ballons qui s'élèvent de la plaine pour s'éparpiller dans le ciel au soleil montant est un spectacle grandiose qui laisse sans voix et dont on s'imprime la rétine pour longtemps. «
ce haut lieu de l'histoire de la Birmanie a beau connaître un afflux sans cesse croissant de touristes chaque année, il mérite qu'on prenne le temps de le découvrir pleinement. Nous l'avons déjà arpenté à 4 reprises. D'y flâner, de s'y perdre, car on se retrouve facilement seul parmi les ruines et les monuments anciens, et de vivre ces incroyables et flamboyants couchers de soleil qui embrasent la plaine. Le pays Kachin sera notre dernière destination de ce 6e voyage en Birmanie. Nous faisons ce trajet en voiture, seule solution, un trajet de plus de 3 heures sur une mauvaise route de montagne. Première étape de la journée, un copieux petit déjeuner dans une gargote très fréquentée par les locaux, meilleur endroit pour s'imprégner de l'ambiance de la ville. L'État Chin est le plus pauvre de Birmanie et l'un des plus isolés. C'est une zone montagneuse qui connaît des hivers durs et une saison des pluies violentes rendant les quelques routes existantes impraticables de mai à septembre. Mindat, sa capitale, bourgade posée sur une ligne de crête à 1500 mètres d'altitude, fait face à la chaîne de montagnes de l'Arakan au nord-ouest du pays. Le village, tout en longueur, est jalonné d'églises, catholiques, baptistes, évangélistes. La chrétienté prédomine ici alors que le bouddhisme prévaut largement dans le reste du pays. La population, à près de 80% en dessous du seuil de pauvreté, vit au rythme du soleil, des travaux des champs, au marché quotidien, et les femmes, comme ailleurs dans ce pays, sont largement mises à contribution, en particulier pour le tissage, pratiqué un peu partout dans ou devant les maisons. Nous avons choisi de venir à Mindat au moment de la commémoration de la journée nationale de l'État Chin, qui a lieu chaque année le 20 février, date majeure pour les Kachin, car cette fête est également le moyen de préserver, de maintenir la culture, la langue et l'identité Chin dans la famille des nations. Cet événement est aussi une gigantesque kermesse où se pressent toutes les générations. On y joue, on s'y lance des défis, on y danse en tenue traditionnelle. Les jeunes filles portent leurs plus beaux atours, se photographient ou font des selfies, le visage peint de dessins représentant les tatouages de leur mère ou grand-mère, tandis que les concours de chant se succèdent sur l'estrade principale. Des groupes de musiciens s'assemblent pour enchaîner les mélodies anciennes avec gongs et tambourins, tandis que danseurs de tous âges reproduisent des figures rituelles à vocation guerrière. Bah,
Les hommes s'affrontent au tir à l'arc sur un stand où les spectateurs sont légion. Mindat, c'est le territoire des femmes araignées, vilaine appellation pour une tradition hors du commun qui date de plusieurs siècles à l'époque des rois. Afin d'éviter que les femmes chines ne soient enlevées et qu'elles ne finissent comme esclaves, on leur tatouait le visage pour les enlaidir. Les motifs du tatouage diffèrent selon les clans et soulignent l'appartenance à l'un ou l'autre. Alors ? Ce sont les femmes les plus âgées qui arborent encore ces remarquables tatouages faciaux géométriques. Ici, comme dans de nombreux autres pays d'Asie, on consomme ce drôle de chewing-gum fait de pâtes de bétel, de tabac et d'épices diverses, le tout enroulé dans des feuilles d'arec pour le pouvoir stimulant ou les effets antidouleurs que cette drogue procure. Un véritable fléau en Birmanie. On peut aussi se régaler de frits ou de grandes crêpes aux légumes et aux pois chiches à de nombreux stands. Un festival familial, bon enfant, mais haut en couleur, et la fierté du peuple chinois. Dernière escale à Yangon, première ville du pays et désormais ancienne capitale du Myanmar, puisque la junte militaire a décidé en 2005 d'en créer une autre en pleine jungle par souci de centralité. La pagode Shwedagon est l'une des plus prestigieuses pagodes du monde et l'une des plus vénérées de Birmanie. Elle surplombe majestueusement la ville, construite sur la colline de Sangutara il y a plus de 2500 ans. Assise sur une plateforme de marbre de 5,6 hectares, son stupa central mesure presque 100 mètres de haut. Il est composé et orné de plus de 500 kilos d'or, plaques ou clochettes, ainsi que 7000 diamants, rubis, saphirs et autres pierres précieuses. D'innombrables cloches et autres bâtiments religieux l'entourent, mais aussi des centaines de statues de Bouddha et autres prestiges visités et honorés quotidiennement par de nombreux fidèles. Des cérémonies y ont lieu en permanence, dans les nombreux temples qui cernent le grand stupa. Les chants se mêlent au tintinabulement des cloches, au bruissement des voix et aux psalmodies de mantras. On médite, on prie, on honore d'une feuille d'or ou on arrose sa statue favorite. À tout moment de la journée, on croise des processions de Shinbiu, rite de passage des garçons pour entrer dans le Shangha, la communauté religieuse, qui leur confère un statut de novice. Religiosité, sérénité et résilience font partie de l'ADN des Birmans, un peuple qui a beaucoup subi, qui vit toujours des temps difficiles, mais dont la générosité et la bienveillance forcent le respect et vous donnent une vraie leçon de vie. Une chose est sûre, il y aura un septième voyage en Birmanie.